Voilà, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse donc de présider cette troisième et avant-dernière séance de notre colloque en ligne organisée dans le cadre des 150 ans de la Commune de Paris. Ce colloque donc prévu en quatre séances du 3 au 8 mai est co-organisé par l'Institut Marcel Liebman et le Centre d'histoire et de sociologie des gauches de l'ULB avec le soutien de la faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB. Les deux premières séances de lundi et mercredi ont été extrêmement riches et passionnantes et ont d'ailleurs remporté un vif succès. Elles sont d'ores et déjà visibles en replay sur notre chaîne YouTube, donc qui s'intitule Conférence Colloque Replay. Alors, nos travaux se poursuivront encore demain, le samedi 8 mai, donc de 17h à 18h30, avec au programme de cette séance de clôture, Dominique Villaès-Poiré, donc qui est auteur du blog Comprendre avec Rosa Luxembourg et qui nous parlera de Rosa Luxembourg et la Commune de Paris. Nous accueillerons également Éric Toussaint, donc qui lui est docteur en sciences politiques des universités de Liège et de Paris 8 et porte-parole du CADTM international. Il interrogera l'actualité de la Commune en posant la question de savoir ben, si un militant du 21e siècle peut encore s'inspirer des solutions préconisées par la Commune, et ce, à travers l'exemple de la dette et du crédit. La séance sera présidée par Gabriel Messin, donc qui est membre de l'Institut Marcel Liebman et qui est également économiste. Alors, comme ce soir, vous pourrez suivre cette conférence en ligne sans inscription préalable sur nos pages Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Le direct est déjà programmé d'ailleurs et les liens de connexion sont publiés sur nos sites Internet. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez dès à présent demander qu'un rappel vous soit envoyé en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Alors, avant de présenter la séance de ce jour, je me permets de rappeler ben, que l'exposition en plein air, Vive la Commune, reste visible jusqu'au 16 mai dans le haut de l'avenue Paul-Léger, donc près des presses universitaires sur le campus du Solbosch. Cette exposition a été conçue avec le soutien du collectif Krasny par quatre personnes, Sixtine Didewal, qui est doctorante sur le communalisme, les dessinateurs Manus Cordia et Thibaut Dramet et le photographe Karim Briki-Nigassa. La version en plein air a pu être montée sur le campus du Solbosch grâce au soutien financier de la commission culturelle ULB Culture et de notre faculté de philosophie et lettres, philosophie et sciences sociales de l'ULB, pardon, c'est l'ancien nom, et grâce à l'aide logistique de l'Association des cercles étudiants. Donc, je remercie vivement tous ces acteurs du monde culturel et académique de l'université pour leur soutien à cette initiative qui permet de faire connaître ben, aux étudiants cet épisode trop peu connu par la plupart d'entre eux. Alors, encore quelques annonces. Ben, ce soir, suite à cette conférence, l'Union des progressistes juifs de Belgique organise, en lien avec notre colloque, une rencontre en ligne avec précisément ben, Sixtine Didewal, donc qui a conçu l'exposition et qui reviendra sur le travail du collectif Krasny à l'origine donc de l'exposition. Et elle évoquera aussi la signification que peut avoir la Commune de Paris pour les luttes émancipatrices actuelles. Donc le lien de connexion Zoom pour rejoindre la conférence est disponible sur le site de l'UPJB, mais également sur nos sites donc du Centre d'histoire et de sociologie des gauches et de l'Institut Marcel Liebman. Alors je vous rappelle également que, hélas, étant donné l'impossibilité d'organiser pour l'instant des événements en présentiel, la soirée littéraire avec Paul Lidsky, donc qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Les écrivains contre la Commune, suivi donc des artistes pour la Commune. L'édition a été augmentée pour l'occasion, ainsi que donc Paul Aron qui devait participer à cette séance, donc qui lui est professeur de littérature à l'Université libre de Bruxelles et la comédienne Isabelle Dumont. Eh bien, cette soirée malheureusement sera reportée à l'automne prochain et celle-ci sera donc annoncée sur nos sites respectifs.
Et d'ailleurs, si vous souhaitez être tenu au courant par mail, vous pouvez vous inscrire à nos listes de diffusion en nous envoyant un mail, donc aux adresses ci-dessous, pardon, qui s'affichent à l'écran. Alors, enfin, je tiens à rappeler qu'une table de presse dont j'ai été prendre une photo rassemblant donc les publications récentes sur la commune, dont celle de nos intervenants, y compris nos intervenants ici présents, a été dressée aux presses universitaires de Bruxelles. Et donc la librairie est juste à côté de l'exposition, dans le haut de l'avenue Paul Léger. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et à soutenir nos libraires. Et vous pourrez d'ailleurs en profiter pour visiter l'exposition. Alors, après toutes ces précisions et informations, j'ai donc l'honneur d'accueillir ce soir notre oratrice et notre orateur, Chloé Leprince, dans l'ordre Chloé Leprince et Quentin Deluhermeau. Voilà, donc au nom de l'Institut Marcel Liebman et du Centre d'histoire et de sociologie des gauches, je vous remercie tous les deux chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va commencer donc par des présentations. Je vais rapidement présenter nos deux intervenants et ensuite j'expliquerai un petit peu comment va se dérouler la soirée. Donc, Chloé Leprince, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes journaliste à France Culture, vous êtes spécialisée en sciences humaines et sciences sociales, vous menez par ailleurs des recherches universitaires sous la direction de Quentin Deluhermeau, ici présent, sur l'engagement féminin donc dans la Commune de Paris et même plus largement au sein des épisodes insurrectionnels, si j'ai bien compris. Alors, à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris, vous avez pris l'heureuse initiative de rééditer, dans une version préfacée et enrichie par vos soins, l'ouvrage donc de l'historienne et romancière Edith Thomas, donc ouvrage qui est titré Les Pétroleuses et qui avait été donc initialement publié en 1963 à la NRF dans la collection La Suite du Temps. En fait, cet ouvrage était épuisé depuis longtemps et donc largement méconnu, malgré qu'il s'agit bien d'un travail pionnier sur l'histoire des femmes dans la commune. Michel Perrault l'évoquait d'ailleurs comme un classique incontournable. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cette initiative et vous remercier d'ailleurs ici pour celle-ci. L'ouvrage est donc paru en format poche, un prix extrêmement démocratique puisqu'il coûte moins de 10 euros, dans la collection Folio Histoire, et ce, en mars 2021. Alors, vous nous reparlerez peut-être plus longuement donc, de cet ouvrage et de cette initiative dans votre exposé, mais ça, je vous laisse entière liberté. Alors, Quentin Deluhermeau, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes quant à vous donc maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris 13. Vous êtes rattaché au laboratoire de recherche Identité, Culture, Territoire. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru en octobre 2020 aux éditions du Seuil qui s'intitule donc Commune avec ou sans S, 1870-1871, une traversée des mondes au 19e siècle. Alors, cet ouvrage me paraît tout à fait essentiel et très novateur puisqu'il propose une approche transnationale et globale de la commune, ou plus précisément des communes. Donc, dans cet ouvrage, mais vous allez nous en parler plus longuement aujourd'hui, vous analysez donc les effets de l'insurrection parisienne donc de 1870-71 dans le reste du monde. Alors, vous êtes également l'auteur d'autres ouvrages dont je n'ai pas repris les couvertures ici, mais que je vais quand même citer, hein. Vous avez déjà publié Le Crépuscule des Révolutions, 1848-1871, le tome 3 d'une histoire de la France contemporaine, édité une première fois en 2012 et réédité
en 2014, donc au Seuil, dans la collection Point Histoire. Et vous avez également écrit, co-écrit avec Pierre Singaravelu, un livre qui a d'ailleurs remporté un certain succès, hein, pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu. Donc cette publication, la première édition a été publiée en 2016 et là aussi, il y a eu une réédition en 2019. Voilà, vous êtes également, donc pour être complet, cofondateur d'une revue qui s'intitule « Sensibilité, histoire critique et sciences sociales ». Voilà, donc je vous propose, avant de laisser la parole à nos intervenants, donc d'exposer un tout petit peu le déroulement de la soirée. Donc nous écouterons d'abord les exposés de nos deux intervenants. On commencera par Chloé Le Prince et ensuite Quentin Deluermoz. Nous aurons ensuite un temps d'échange avec le public. Et donc vous pouvez poser vos questions. En cours de séance, hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, dans les commentaires, en commentaire, donc sur Facebook ou sur YouTube. Et donc, je prendrai soin de les relayer après les exposés de nos intervenants. Voilà, donc, encore un tout grand merci à vous deux, donc, d'avoir accepté de participer à ce colloque. Et merci aussi au public qui nous regarde. Merci pour votre présence et merci d'avance pour votre attention et votre participation. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et toutes. Je vais donc à présent céder la parole à Chloé Le Prince pour environ 25 minutes, un peu plus si nécessaire. Voilà, Chloé, c'est à vous. Merci, Francine. Alors, avec les 150 ans de la Commune de Paris, eh bien, l'événement bénéficie d'une exposition sans précédent cette année. Hein, et c'est dans cette exposition, les femmes de 1871 ont accédé, elles aussi, à une place inédite. Car pendant longtemps, l'histoire de la Commune de Paris s'est écrite au masculin. Dans les célébrations, dans les articles de presse, dans le récit collectif, ordinaire, on pourrait dire, de l'épisode révolutionnaire, eh bien, les femmes du peuple parisien ont pris la lumière comme jamais cette année et on a vu des noms d'actrices anonymes de l'événement qui ont soudain circulé comme excavées alors qu'ils étaient longtemps restés ensevelis. Alors, les femmes grandes absentes du récit de la Commune de Paris, ça peut surprendre, hein, tant évidemment c'est le visage de l'une d'entre elles qui incarne sans doute le plus l'épisode, je pense bien sûr à Louise Michel, c'est-à-dire une institutrice iconoclaste, une autrice aussi, mais surtout une combattante, une héroïne en fait, qui a elle-même façonné sa trace et dont l'ombre portée a fini par, parfois, beaucoup même, éclipser les autres femmes de 1871. Ainsi, derrière cette notoriété en clair-obscur, malgré cette notoriété, et peut-être à cause d'elle d'ailleurs, eh bien, les femmes communardes furent bien longtemps la part aveugle de l'histoire de la Commune. C'est-à-dire qu'on ne les a pas regardées, qu'on ne les a pas comptées, qu'on ne les a pas reconnues. Par exemple, on les a sorties des échantillons statistiques dans les années 60. On a écrit des livres entiers sans mentionner guère plus qu'un cliché à travers l'évocation de ce fameux mot « la pétroleuse ». Au mieux, on a souvent trouvé, monté en épingle, l'épisode du 18 mars 1871, c'est-à-dire le tout premier jour hein, du soulèvement parisien, lorsqu'au petit matin, les femmes de Montmartre se mêlèrent aux soldats d'Adolphe Thiers pour les empêcher de faire main basse sur les canons et même pour tenter de les retourner. Ce sera le tout début de la Commune, hein, si on prend la chronologie la plus réduite de l'événement. Et pour les femmes, eh bien, ça reste un fait d'armes en demi-teinte, en fait, parce que ça va figer aussi leur trace. Dans le champ académique également, les communards ont cette année une exposition sans équivalent. Du fait du charisme de Louise Michel et aussi de l'intensité de l'usage politique dont elle fait l'objet, il faut bien le dire, c'est d'abord sur elle et sur elle seule qu'on a longtemps travaillé, et aussi parce que les sources sont particulièrement lacunaires et frustrantes hein, quand il s'agit des femmes de 1871. Il reste peu de traces. Parce qu'il y a eu des destructions particulièrement délétères, notamment, qui en disent long sur le peu d'intérêt scientifique auquel on les a relégués. Mais ça bouge, d'ailleurs, le programme seul de votre colloque et cette invitation dont je vous remercie le montre.
Et il suffit, pour prendre la mesure de cette visibilité inédite, de comparer par exemple le programme des colloques organisés pour le centenaire de la commune en 1971 et puis les rendez-vous scientifiques cette année. Les femmes ont désormais droit de citer. Il serait même sans doute un peu suspect de ne pas les envisager. Bref, contrairement à en 1971, elles sont devenues un objet d'étude. Les travaux restent proportionnellement très peu nombreux, hein, mais désormais, tous les ouvrages sur la commune envisagent peu ou prou les femmes dans l'événement. Mais pas toujours la façon dont des appartenances multiples de ces femmes et ce dont elles se revendiquent elles-mêmes ont pu se combiner dans l'événement à la faveur de l'événement. Ni dans quelle mesure, par exemple, le genre et ce qui deviendra un peu plus tard la classe peuvent aussi s'être combinés et à l'intersection desquelles on trouve aussi les femmes de la commune. Or, qu'est-ce que c'est au juste de sortir les femmes communardes de l'invisibilité? De quoi ça parle en fait? Qu'est-ce que ça dit de ces femmes et aussi des ressorts de l'opacité à laquelle on les a longtemps reléguées? Finalement, en quelle manière accéder à ces femmes, ça nous permet aussi de distinguer une autre dimension de la commune elle-même. Poser cette question, en fait, c'est dilater les frontières de ce que fut l'engagement pour la cause, la mobilisation dans cet événement, qui, je rappelle, qui est extraordinairement éphémère, hein, 72 jours. Et ça revient en particulier à envisager un rapport oblique à la citoyenneté du côté des contreforts du champ politique légitime. Parce qu'on parle forcément de quelque chose de l'ordre d'un rapport oblique à la politique si on s'intéresse aux communards. Elles s'appellent citoyennes dès les premières heures de la Révolution, bien sûr, mais pourtant, les femmes n'ont pas le droit de vote. Elles n'ont pas de citoyenneté au sens du droit positif en 1871. Elles ne sont pas éligibles lorsque la commune très vite organise des élections. Et la commune elle-même ne leur donnera pas davantage le droit de vote en 72 jours. Il n'en est même pas question. Pourtant, les femmes sont bien présentes dans la séquence et les journaux ou les récits des contemporains le montrent. Des archives policières, des archives judiciaires en attestent aussi. Mais justement, la presse versaillaise, acquise au gouvernement d'Adolphe Thiers, elle va forger un néologisme au chaud de l'événement, dans l'événement. Et c'est ce néologisme qui va durablement marquer le regard qu'on porte sur les femmes de 1871, comme une empreinte en quelque sorte. Ce mot, c'est pétroleuse. Il date de la commune elle-même, hein. Très brièvement, la presse a d'abord dit les pétroleurs et les pétroleuses en une espèce de pluriel un peu indistinct. Mais rapidement, le signifiant va se figer au féminin. Et en fait, la chercheuse Dominique Lagorgette a montré que c'est très précis en fait. C'est précisément au moment où on commence à parler des barricades de femmes dans la presse qu'on se met à fixer le mot au féminin et à dire la pétroleuse. Sauf qu'après, eh bien, on l'utilisera durablement pour dire communarde, un peu comme si c'était un synonyme, un équivalent, quoi. Sauf que c'est une flétrissure, en réalité. C'est un mot du camp d'en face. C'est un stigmate qui charrie avec lui l'idée d'une pulsion destructrice, d'une bande d'hystérique du baril, prête à mettre Paris à sac. Et surtout, c'est un terme qui enferme les femmes du peuple de 1871 dans quelque chose de l'ordre d'une bouffée destructrice, pulsionnelle, violente et plutôt ancrée, si on veut le dire comme ça, parce que c'est ça l'usage qui en est fait, du côté de l'anatomie féminine que du côté des idées et de la lutte politique. En fait, les femmes, à travers ce stigmate et ce terme de pétroleuse, vont se figer dans l'imaginaire comme grimées en harpie destructrice, comme en fait un corps étranger, extraterritorial vis-à-vis du champ qui serait celui de la politique et de l'engagement. Je peux vous lire par exemple l'extrait qui a longtemps été celui que le dictionnaire Le Petit Robert donnait pour illustrer les pétroleuses, c'est un extrait du Sagouin de Mauriac, et ça montre bien de quoi parle exactement ce stigmate, je cite. « Il savait que c'était une pétroleuse, il avait vu 100 fois cette image du monde illustré de 1871 où deux femmes accroupies la nuit près d'un soupirail allumaient une espèce de feu. Des mèches dépassaient de leur bonnet de femmes du peuple. » Donc il y a une espèce d'homologie comme ça entre femmes du peuple, pétroleuses et femmes animées d'une bouffée destructrice. C'est très révélateur, mais jusqu'en 1963, et avec le travail pionnier d'Edith Thomas dans son livre « Les pétroleuses », ce stigmate a largement prospéré. Et c'est à la déconstruction de ce stigmate qu'Edith Thomas a fait en s'attaquant aux femmes de 1871. C'est le premier livre à ce moment-là qui soit vraiment consacré aux femmes de la commune, aux femmes communards. Ironiquement, le livre qui a donc des guillemets à pétroleuse, eh bien ironiquement, le titre, il voyagera très souvent sans ces guillemets. Alors que justement, l'historienne montrait que le terme qui saisit d'abord un rapport social ne repose sur aucune réalité empirique. Et donc, on les appelle pétroleuses.
chez Artiste, donc archiviste, Edith Thomas était conservatrice aux Archives nationales, elle avait eu accès, peu avant, au dossier des conseils de guerre. Les conseils de guerre, c'est ces juridictions d'exception qui jugeront les communards et les communardes. En fait, très peu de femmes, hein. 1054 passent en conseil de guerre, et Edith Thomas va remonter le fil de la caricature et montrer qu'on a beau les avoir cherchées, ces pétroleuses, bien ni la répression policière, ni la machine judiciaro-militaire ne parviendront en réalité à les faire exister. Ça ne veut pas dire que des femmes incendiaires n'ont pas existé. On sait, hein, par des témoignages, par les statuts de certaines structures associatives, que le pétrole faisait partie du répertoire militant. Mais est-ce que c'était plus les femmes que les hommes ? En tout cas, contrairement à la représentation que Versailles avait forgée, l'image de horde de pétroleuses échevelées et prêtes à tout ne reposait sur rien. Quelques mois plus tard, après Edith Thomas, mais juste après, dans le procès de Communard, et après avoir consulté les mêmes archives tout juste sorties de l'oubli et des caves en réalité du ministère de la Défense, eh bien Jacques Rougerie confirmera la même chose, les procès des pétroleuses ont fait pchit. Alors, le relativement faible nombre de femmes traduites en conseil de guerre est d'ailleurs intéressant, hein, et notamment Quentin de Lermoz, que vous entendrez juste après, l'a montré explicitement. Proportionnellement au nombre de dossiers, les femmes sont plutôt moins nombreuses à être jugées. Seulement, voilà, lorsqu'elles le sont plutôt plus durement. Alors, on peut partir de ce constat et poser l'hypothèse que tout un pan de la mobilisation politique des femmes de 1871 a ainsi pu rester dans l'ombre, comme assourdi, invisibilisé par le processus même de la labellisation et par le regard qu'on a porté sur ce que ce serait d'être ou de ne pas être communard, communarde. C'est-à-dire non seulement un angle mort de l'historiographie, un défaut de lunettes, on va dire, dans un récit très viriliste, mais aussi à l'époque même de la Commune, de l'événement, et juste après l'événement, pendant la répression, un point aveugle des vainqueurs de la Commune qui peineront à considérer la participation des femmes comme un engagement authentique, personnel, subjectif, volontaire, qui procéderait d'une agentivité et qui serait profondément, authentiquement politique. En finalement, on peut se dire que passer pour la femme d'un communard plutôt qu'une communarde a pu mettre à l'abri de la répression bien des actrices, mais a aussi renchéri leur invisibilisation. Pas seulement la pétroleuse, hein, il y a aussi la figure de la communarde en armes, la combattante juchée sur sa barricade dans justement une imagerie assez virile qui a voyagé. Et cette figure de la barricadière, elle a beaucoup imprégné le récit de l'événement et elle a aussi occulté toute une part de l'engagement des femmes. La mise en récit de l'épisode par Louise Michel et sa célébrité même ont pu ainsi projeter une silhouette difficile à dépasser qui a comme figé la représentation de ce que serait une femme de la Commune, comme si ça avait un peu saturé l'image, en fait. Mon propos, c'est pas de dire que des femmes n'ont pas joué ce rôle, risqué leur vie pour défendre la Commune. Elles ont réellement pris leur part du risque. Il y a de nombreuses anonymes qui sont mortes en avril et surtout en mai 1871. Elles se sont aussi exposées physiquement, hein, ce qui, en tant que femme, n'allait pas de soi et ce qui a pu majorer le risque qu'elles encouraient. Mais alors que le fait de porter des habits d'homme ou de se retrouver à proximité d'une barricade, d'être cantinière, par exemple, pour nourrir les hommes sur le front, sur les frontières de Paris. Eh bien, alors que tous ces éléments-là peuvent figurer, on les trouve, hein, on les lit dans les procès devant les conseillers de guerre, eh bien, par exemple, la participation à des clubs qui ont pourtant façonné l'horizon idéologique, doctrinaire, militant, bref, politique de la Commune, ou leur adhésion à des associations, eh bien, ça apparaît relativement à l'autre figure, ça apparaît plus assourdi, minoré, minimisé, souvent assez impensé au fond. Comme s'il leur manquait en fait quelque chose de l'ordre de l'ennoblissement dans la labellisation. C'est un autre signe de ce que je vois comme l'euphémisation de la part politique des femmes dans la Commune. La transgression des rapports de genre dans le port d'armes ou la présence sur le front n'est pas passée inaperçue, elle a même été montée en épingle, mais l'investissement féminin dans la définition de la révolution démocratique et sociale, ses frontières, ses bornes, son épaisseur, eh bien ça, c'est longtemps resté un angle mort. Or, on peut aussi y voir une transgression des rapports de genre et même l'affirmation d'une forme de souveraineté bis qui interroge aussi les frontières de la citoyenneté, de la souveraineté. Et cette affirmation-là, elle est non seulement proprement politique, il me semble, mais c'est aussi une contribution majeure à l'histoire des féminismes. Et justement, en regardant aussi ça, en ne prenant pas seulement au sérieux le fait de faire le coup de feu ou de faire main basse sur des barils,
mais en prenant au sérieux la délibération, le souci de définir les contours d'un horizon politique. Eh bien, en fait, il me semble qu'on découvre d'autres femmes, d'autres actrices qui prennent leur part à l'événement depuis une autre scène. Sur certaines femmes, on savait déjà des choses, hein, même si leur notoriété fut tardive, imparfaite, et que les travaux académiques sur elles sont arrivés assez tard, en fait. C'est par exemple le cas de André Léo, qui dirige des journaux, qui c'est une intellectuelle avant la lettre, André Léo, qui contribue à la Commune d'un point de vue doctrinaire, même si ça crée d'ailleurs des frictions, et sans doute aussi des frictions de genre. C'est le cas aussi de Paul Mink, par exemple. Paul Mink, elle est très active dans le mouvement clubiste. Dès 1963, Edith Thomas, dans Les Pétroleuses, elle leur faisait une belle place en les pistant, en quelque sorte, à travers les récits de l'époque, mais bien souvent aussi à travers ce qu'elles avaient elles-mêmes dit, prononcé ou écrit. Et c'est cette dimension d'autrice et d'actrice qui me semble très importante. Mais sur d'autres, en revanche, eh bien, on sait beaucoup moins de choses. Des bribes ici ou là, c'est ce que moi je regarde comme des anonymes paradoxales, quoi. Donc parfois, on a justement seulement un nom et un prénom, parfois une adresse, parfois un métier. Alors, on a bien sûr un problème de source vraiment lacunaire et franchement très, très frustrante pour trouver un chemin entre ces parcelles de trajectoire. C'est plutôt des traces, à vrai dire. Mais quand même, en suivant des liens d'appartenance profondément réticulaires, en essayant d'observer un tissu de sociabilité qui s'enchevêtre, qui s'encastre, eh bien, il me semble que dans une histoire par le bas, on peut attraper quelque chose, autre chose de ce que fut le travail militant en 1871. Et notamment en saisissant ces femmes, ces anonymes paradoxales, au travail. C'est un pas de côté, hein, clairement, par rapport à la figure de la barricadière ou au cliché de la pétroleuse. Mais en opérant ce petit déplacement, des femmes du peuple investies dans l'événement, saisies par lui, apparaissent à l'image, il semble. Elles aussi se sont retrouvées dans les raies de la Révolution, elles aussi se sont placées au service de la Commune, modifiant peut-être au passage la perception qu'on a, nous, de l'ordre social communaliste. Depuis quoi il tient ? À quoi il tient ? Il ne s'agit pas de minorer l'élan qui a pu porter des milliers de Parisiens et de Parisiennes vers la défense de Paris au péril de leur vie. Parce qu'en fait, les chaînes, elles s'entrecroisent bien souvent. Et une même femme peut avoir œuvré sur deux fronts, c'est aussi des moments différents, même en 72 jours, on voit qu'il y a des séquences dans la séquence. Mais depuis la scène du travail, on éclaire en suivant ces femmes au ras des sources ce que fut aussi cette promesse d'un nouvel ordre social en train de s'élaborer. Pour saisir ça, on peut se placer auprès de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Alors, à première vue, ça semble un peu contradictoire, peut-être même provocateur par rapport à l'hypothèse, parce qu'il n'y a pas le mot « travail » dans l'intitulé, mais d'ailleurs pas non plus dans les statuts. Et au contraire, il y a la défense, le soin aux blessés, bref, tout cet univers du combat. Pourtant, c'est bien de travail féminin que s'occupera l'Union des femmes, et c'est un bon poste d'observation de ce qui a pu se jouer dans la mobilisation de centaines, de milliers de femmes profanes en politique. Cette union, elle est créée le 11 avril, et en fait, c'est considérable, hein, parce que c'est la première structure féminine de la séquence, et d'après l'historien Jacques Rougerie, c'est peut-être même la plus nombreuse, hommes et femmes confondus d'ailleurs. Or, ce dont nous parlent les archives qu'il nous en reste, eh bien, c'est de travail, et c'est d'une sorte de laboratoire d'auto-organisation des femmes pour les femmes. C'est-à-dire quelque chose d'éminemment politique, qui est très centralisée, mais qui est fondée, par exemple, sur la délibération. L'Union des femmes monte des structures dans les arrondissements, avec un processus de prise de décision très codifié, le comité central, qui se réunit deux fois au moins par tranche de 24 heures, et qui anticipe, par exemple, la révocabilité de ses membres, qui réclame d'emblée aux élus de la commune, je cite, « un grand local où les citoyennes pourraient faire des réunions publiques ». C'est écrit comme ça dans l'adresse à la commune. Donc, il s'agit de se réunir, et il s'agit d'élaborer quelque chose. On voit que la délégation y occupe aussi une place centrale, parce qu'il y avait l'idée de se faire représenter et des élections qui étaient prévues pour créer une instance représentative avec des délégués élus par métier. Donc ça n'aura pas lieu parce que la défaite arrivera avant avec la semaine sanglante. Dans les faits, ce que l'Union va négocier avec les institutions, les instances communalistes, les institutions centrales, légitimes, c'est la reconnaissance officielle du travail féminin. Et même une délégation de pouvoir pour prendre en charge son organisation, au nom de la commune, par décret. C'est considérable, parce qu'en 1871, le travail des femmes divise profondément le mouvement ouvrier. Proudhon est mort peu avant la commune. Mais les proudhoniens, eux, ils sont vigoureusement hostiles au travail des femmes. Et ils prolongent son empreinte idéologique.
L'espace de la cause des femmes, au contraire, lui, il est travaillé de très longue date tout au long du 19e par cette question du travail féminin salarié, ou plutôt par sa reconnaissance, en fait. Parce que dans les faits, au second 19e siècle, à Paris, en fait, les femmes, elles travaillent hein, majoritairement, mais souvent, elles travaillent à la tâche, sans garantie, sans salaire négocié, à la merci des intermédiaires, peut-être plus que les hommes, et souvent à domicile. C'est à ces femmes-là que Elisabeth Mitrieff et Nathalie Lemel, les chefs de file de l'Union des femmes, vont proposer de s'inscrire par métier et de s'organiser collectivement. Les deux sont des militantes adhérentes à l'Association internationale des travailleurs. L'AIT s'est créée en 1864, donc 7 ans avant la Commune. Et les deux se saisissent de l'événement de la Commune pour pousser un agenda qui est en fait antérieur à la Révolution et qui trouve en fait un débouché dans la Commune qui est en train de s'inventer. Chez les relieurs, Nathalie Lemel avait obtenu 5 ans plus tôt, avec Eugène Varlin, l'égalité de salaire des hommes et des femmes. Donc, on voit qu'elle était déjà sur les questions de travail féminin. Quant à Elisabeth Mitrieff, elle, c'est l'envoyée de Marx. Elle arrive dans les premiers jours de la Commune, mais avant ça, elle est auprès de Marx à Londres. On voit bien que du coup, là, on tient avec l'Union des femmes quelque chose qui est au croisement de plusieurs luttes politiques. Alors, est-ce que les deux leaders négocie dans cette reconnaissance avec le pouvoir central, elle négocie la reconnaissance comme une contrepartie à la disponibilité de centaines, peut-être de milliers de femmes pour l'insurrection, ou est-ce qu'elle recrute pour la cause des femmes des anonymes qui sont saisis par l'événement et qui, elles, viennent au nom de la Commune, pour la Commune, au nom de Paris, ou au nom de leur quartier? Ou au contraire, est-ce que ces deux chefs de file, elles recrutent pour la cause socialiste, en proposant en fait du travail à des femmes qui échappaient jusque-là à la socialisation militante, mais qui sont là, elles, d'abord et avant tout pour trouver de quoi se nourrir. Il me semble que c'est à cette intersection entre le recrutement au nom de la cause communaliste et puis la création d'une nouvelle organisation des femmes qu'on peut comprendre le recrutement massif de milliers de femmes dans ce giron internationaliste, qui se traduit par la conquête d'une forme de citoyenneté féminine, qui passe par le fait d'être ouvrière. Il me semble en effet qu'on peut formuler l'hypothèse qu'en se disant ouvrière, eh bien ces femmes qui s'inscrivent affirment, endossent une souveraineté politique. C'est particulièrement intéressant pour toute une série de métiers, notamment bien des métiers du linge, hein, brodeuse, passementière, culottière, qui jusqu'ici se pratiquaient plutôt à domicile, donc on peut penser sans réelle mobilisation collective ou apprentissage collectif. Ici, l'Union des femmes va négocier un marché public, par exemple, celui des uniformes de la garde nationale, dans les limites d'un prix garanti. Elle va aussi contribuer à la réquisition d'ateliers abandonnés qui seraient susceptibles d'être réinvestis. Je rappelle que la Commune n'expropriera pas les patrons qui restent à Paris ou les propriétaires. Inversement, on ne trouve pas de traces de rares métiers féminins qui se pratiquaient déjà en atelier et dont on savait qu'ils étaient des lieux, des scènes de mobilisation collective. Je pense par exemple aux relieuses. Il me semble qu'on peut donc faire l'hypothèse que l'Union des femmes est allée recruter et potentiellement socialiser à la politique ou au mouvement ouvrier des femmes qui appartenaient bien sûr à des réseaux de solidarité, à des sociabilités partagées. On voit que plusieurs ont la même adresse, qu'on adhère entre femmes de la même famille, on voit que certaines vivent dans la même rue. Mais elles sont allées recruter des femmes qui n'étaient pas encore insérées dans des réseaux proprement politiques. Ou de cette porosité entre travail salarié et travail militant, on voit aussi affleurer des archives une forme d'éthos qui nous dit quelque chose du rapport au travail et au travail bien fait en particulier. On trouve par exemple un petit bout d'archives où est recommandée Madame X parce qu'elle est une bonne fleuriste, c'est écrit comme ça. Ça vaut aussi pour le travail militant d'ailleurs, parce que dès ses premières heures, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés va se présenter comme une organisation sérieuse. On trouve le mot sérieux dans des brouillons, sur un texte, un manifeste final qui est publié au journal officiel et aussi sous la plume d'André Léo dans son journal. Ainsi, il me semble que c'est par le travail que ces femmes sont citoyennes, mais aussi bonnes citoyennes. Et depuis le travail qu'elles affirment et en fait qu'elles conquièrent une respectabilité. Elles disent non seulement « nous en sommes », mais elles disent aussi « nous en sommes en tant qu'ouvrières, en tant que travailleuses ». Dmitrieff, qui informait donc Karl Marx pendant la Commune, lui écrit une lettre le 24 avril. L'Union des femmes, le 24 avril, elle a 13 jours, et Dmitrieff explique qu'elle soulève toutes les femmes de Paris. Alors, je voulais citer un petit extrait qui me semble intéressant. Voilà ce qu'elle lui écrit. « Je fais des réunions publiques. Nous avons institué dans tous les arrondissements des comités de femmes, dans les mairies même, et en outre un comité central, le tout
pour organiser l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Nous nous mettons en rapport avec le gouvernement. Je crois que l'affaire marchera, mais que de temps perdu. Et quelle peine cela m'a donnée. Il faut que je parle tous les soirs, que j'écrive beaucoup, et ma maladie s'empire. Elle a 20 ans, hein, Dimitri, à ce moment. Je reprends. Si la commune triomphe, notre organisation du politique deviendra sociale. Nous formerons des sections internationales. L'idée prend bien. En général, la propagande internationale que je fais pour démontrer comme quoi tous les pays, ainsi que l'Allemagne, sont tous à la veille de la révolution sociale, cette propagande-là est fort goûtée des femmes. Voilà, alors sauf à être ventriloque, hein, c'est difficile de faire parler autant les femmes adhérentes anonymes qui sont muettes pour la plupart dans les sources. Pour quel agenda au juste se sont-elles mobilisées? Sous quelle bannière sont-elles venues? Est-ce que c'est elles se sont mobilisées au nom du droit du travail, pour la défense de Paris contre Versailles, pour le socialisme, pour leur simple survie, pour leur sentiment d'appartenance à quelque chose de l'ordre du populaire? Les chefs de file de l'organisation se sont-elles glissées dans les franges de l'événement pour pousser la cause des femmes ou alors la cause internationaliste, en tirant profit d'alliances, par exemple, qu'elles avaient nouées en amont avec plusieurs figures de l'état-major communard, Eugène Varlin, Benoît Malon ou Léo Frankel, qui sera quand même délégué au travail, donc une position très stratégique, sont des élus de la commune qui ont milité en amont de l'événement avec l'une ou l'autre des chefs de file et qui sont favorables au travail des femmes. On peut penser qu'ils ont appuyé le travail militant de l'Union des femmes et qu'ils s'en sont fait les relais, rehaussant au passage le capital politique de ces initiatrices. Concrètement, la structure a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire une reconnaissance malgré l'absence de droit de vote, malgré une citoyenneté juridique. Très vite, toutefois, le combat va assourdir tout cela et prendre en fait toute la place. Hein. C'est donc une organisation éphémère et un très court moment pour tenter de saisir le lien entre travail militant et travail salarié et au fond essayer d'attraper de quoi on parle quand on parle de milliers d'anonymes qui se mobilisent pour la commune. Mais on peut toucher du doigt quand même, à travers, malgré l'éphémère, à travers la manière dont l'Union des femmes se déploie, il me semble qu'on peut toucher du doigt l'épaisseur du tissu dont a pu se nouer cet idéal de révolution sociale et démocratique et la place que je considère moi proprement politique que les femmes y ont prise, conquise ou négociée. Je vous remercie. On ne vous entend pas, François. Voilà, merci. Donc, je disais merci Chloé Le Prince pour cet exposé tout à fait passionnant, clair, voilà, et qui montre qu'il y a encore tout un champ de l'histoire à explorer et nous serons très curieux de lire les travaux de vos recherches en cours, vos travaux ultérieurs. Donc, voilà, je vous remercie en tout cas d'y contribuer. Donc je vais dès à présent, parce que l'heure avance et nous reviendrons évidemment sur votre exposé par la suite, il y a déjà des commentaires qui ont été postés, mais je vais dès à présent donc laisser la parole à Quentin d'Eluermo donc pour son exposé sur une histoire mondiale de la commune. Voilà Quentin, c'est à vous. Je ne sais pas si votre micro, voilà, votre micro est allumé. Bon, vous m'entendez bien? Oui, oui, merci. Parfait. Beaucoup. Merci. Bien, à vous bonsoir et puis merci encore pour cette invitation. Alors, il peut sembler curieux en fait de travailler encore sur la commune tant cette révolution paraît connue. Hein, c'est un thème qui a été abondamment scruté, étudié. La bibliographie réunie en 2006 par un historien qui s'appelle Robert Le Quillec propose près de 600 pages et 5000 entrées. Des romans, des mémoires ou encore des travaux de recherche. Et des travaux de recherche hein, qui appartiennent aux domaines académiques français, américain, anglais, russe, espagnol, allemand, chinois. Bon. On a l'impression au fond que tout a déjà été analysé. Et pourtant, les interrogations suscitées par la commune ne se sont jamais taries. Elles ont même été renouvelées ces dernières années avec la réactualisation de la référence à l'événement dans de nombreuses luttes sociales et politiques à travers le monde et en France. Alors, vous avez vu au cours de la semaine, et puis vous venez d'en entendre un très bon exemple, hein, différents cas de ces renouvellements proposés. Ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est essayer d'en tenter un autre qui est sa dimension globale. Alors, avant d'en venir à cet aspect, peut-être faut-il proposer quelques,
quelques rappels sur l'événement. Beaucoup d'entre vous le connaissent évidemment par cœur, mais simplement, d'autres ne le connaissent peut-être pas forcément aussi bien. Et puis, ça permet de comprendre qu'est-ce qui va être globalisé. Alors, la commune hein, est considérée comme la troisième révolution du 19e siècle français. La quatrième, si on inclut évidemment la révolution française. Et elle fait irruption dans le cadre d'une guerre franco-prussienne avec un changement de régime républicain, un siège militaire terrible pour la capitale, et puis, après la défaite, une chambre monarchiste est élue qui multiplie les vexations contre Paris. Ce qui entraîne, je vais évidemment très vite, hein, le 18 mars, un mouvement révolutionnaire qui aboutit à la proclamation de la Commune de Paris le 26 mars. Donc, ce qui est très bien connu, ce qui a été abondamment étudié, c'est le groupe des 79 élus qui siègent à l'hôtel de ville, avec des noms célèbres, hein, Raoul Rigaud, Jules Vallès, Jourde, Bardin, etc. Groupe qui proclame le 29 mars la révolution victorieuse. On sait, ce groupe, on le connaît, hein, se caractérise par son fort contingent d'ouvriers qualifiés, 33, hein, 41% du total. Par ailleurs, on connaît bien les mesures qui ont été prises au cours des 57 séances de la Commune, comme la séparation de l'Église et de l'État, les colloques gratuites à équité obligatoire, l'interdiction du travail de nuit ou longé. On connaît aussi la diversité des positions politiques de ces élus. On va y trouver des blanquistes, des internationaux, des proudhoniens, des jacobins, des radicaux. Mais globalement, comme vient de le rappeler Chloé Le Prince, le référent commun à l'hôtel de ville comme sur le terrain, c'est ce qu'on appelle plutôt la révolution démocratique et sociale qui s'était affirmée en 1848. Selon elle, il n'est pas possible de changer la forme politique sans modifier l'organisation sociale et économique sous la forme de la juste association. Cependant, la plupart des travaux, comme des acteurs pro ou anti-communards, constatent la faible durée de la commune et le peu de réalisation effective de ces projets. Aussi, cet événement apparaît-il souvent dans les travaux sous l'angle du brouillon. Et ce qui marque dans la commune, c'est sa fin, du 21 au 28 mai, les incendies des grands bâtiments de la ville, la tuerie des otages et surtout, bien sûr, le terrible massacre des Parisiens. Alors très vite, immédiatement après les faits, la question s'est posée, quelle est son ampleur? Quelle est sa signification de ces 72 jours? Il faut bien voir qu'avec la commune, on a affaire à un épisode sur lequel se sont penchés tous les modèles d'analyse des révolutions. Modèle d'analyse marxiste, anarchiste, peut s'y ajouter ceux de la sociologie historique, hein, qui en fait une lutte urbaine puisqu'une lutte des classes, ceux de l'histoire politique républicaine, de l'histoire culturelle, etc. Après la chute des grands récits dans les années 1990, on a vu dans ces travaux un certain flottement, certains estimant même qu'au fond, son caractère exceptionnel tiendrait à ce seul gouvernement de la commune et à la force de la réinterprétation communiste d'après 1917. Simplement, je viens de vous le dire, et puis vous l'avez vu toute cette semaine, les travaux ont continué. Et puis la résurgence actuelle de la référence à la commune suggère tout de même qu'il y a autre chose. La question de son importance reste donc ouverte. Pour reprendre ce problème, il est possible de procéder à deux déplacements. Du moins, c'est ce que j'ai tenté de faire dans l'ouvrage que Francine Boll a évoqué en début d'introduction. Tout d'abord, une analyse de terrain au ras du sol, à hauteur d'hommes et de femmes, pour observer sous un angle plus ethnographique ce qui se passe pendant la commune. Encore une fois, Chloé Le Prince vient de nous en donner un excellent exemple de ce que peut apporter ce type d'approche. D'autre part, il est possible aussi de sortir la commune de son seul cadre français et de la replacer dans une trame d'expérience républicaine et révolutionnaire plus large, et c'est ce sur quoi je vais insister aujourd'hui. Dernière remarque à ce propos, notons tout de même qu'il peut être curieux de parler d'une dimension globale pour une commune qui est dite de Paris. La question est réelle dans la mesure où le mouvement révolutionnaire en tant que tel est très limité. Seul Paris connaît un gouvernement de plusieurs semaines, et puis, contrairement à 1830 ou à 1848, on n'a pas de vague, de chaîne d'événements révolutionnaires. Ce caractère parisien est aussi, cette impression en tout cas de caractère parisien, est aussi un phénomène lié à l'historiographie. Dans les années 1970, notamment dans le cadre des travaux marqués par le marxisme, de nombreux travaux ont été menés sur la portée internationale de la commune. Dans le cadre d'une hypothèse fondée sur une idée de transition,
on cherchait dans la commune le passage des révolutions dites romantiques aux révolutions dites scientifiques et modernes, c'est-à-dire censées être plus structurées en termes d'organisation et d'idéologie. Ce qui fait qu'on a déjà de très nombreux travaux qui ont proposé une analyse plutôt diffusionniste des effets de la commune sur les mouvements ouvriers nationaux. Et les critiques historiennes des années 1980, hein, celles de Jacques Rougerie ou de Robert Toms dans deux genres différents, ont consisté précisément à mettre en cause ce modèle théorique et à revenir sur l'événement lui-même, et notamment sur Paris. Mais ces échos, eux, qui avaient déjà été démontrés, restent et avaient été un petit peu oubliés. Enfin, troisième chose à noter, il n'y a pas eu pour la Commune de rattrapage dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire transnationale et globale des révolutions, qui est pourtant extrêmement dynamique. En réalité, cette approche a été surtout mobilisée pour la Révolution française, assez moins pour celle de 1830 et 1848, et encore moins pour la Commune. Il y avait donc là un vide qu'il fallait combler. Alors pour le combler, hein, il a fallu mettre en œuvre un dispositif d'enquête sur lequel je passe pour insister ici, vous me pardonnerez, sur les résultats. Que voit-on alors? Plusieurs choses et je vais vous proposer... Ça marche pas. Tant pis, je voulais vous proposer un PowerPoint, mais il marche pas. Alors, tout en bas, en bas de, dans l'application, il y a Share. Je sais pas si tu le vois, à côté, ouais, de caméra micro. Ça ne fonctionne pas. Non, mais c'est pas grave, tant pis, ce sera bon. Plus simple. J'avais quelques images, mais vous allez devoir faire preuve d'imagination, du coup. C'est très, mais bien, jusqu'à ça. Présent, c'est très, très clair. Ne t'inquiète pas, en tout cas. Parfait, merci, voilà, beaucoup. Alors, tout d'abord, la Commune s'inscrit dans le cadre des luttes socialistes, républicaines et de libération nationale des années 1848-1870. Et ce, de plusieurs manières. Tout d'abord, il faut bien voir que dans la Commune, on a des combattants internationaux. Le plus célèbre d'entre eux est Yaroslav Dombrovski, qui est né en 1837. C'est le fils d'un riche propriétaire polonais qui prend fait et cause pour l'insurrection polonaise de 1863. Il est arrêté, s'enfuit, fréquente les milieux socialistes allemands, se rend à Paris, il se rapproche à ce moment-là de l'Association internationale des travailleurs, puis il va à Lyon et revient en mars 1871 offrir ses services à la Commune à Paris. Il est élu chef de la 2e Légion avant d'être nommé commandant en chef de la place de Paris. Alors, ce que montre aussi cet exemple, hein, c'est que nombre de ces combattants transnationaux sont là parce qu'ils s'inscrivent dans un mouvement plus ample et antérieur. En effet, l'afflux de volontaires transnationaux est lié à la guerre franco-prussienne et notamment après la chute du Second Empire au 4 septembre, moment où la cause française devient cause républicaine et fait lien avec ce qu'on appelle à l'époque la République universelle. On a, à ce moment-là, des milliers de volontaires internationaux qu'on peut suivre à partir des archives, et on trouve des Italiens, des Polonais, des Belges, des Grecs, des Américains, qui viennent au secours de la France sous le commandement du général Giuseppe Garibaldi, l'une des grandes figures républicaines du temps, et c'était son visage que je voulais vous montrer. Beaucoup de ces combattants se sont mobilisés déjà dans les luttes post-1848, unité italienne, insurrection polonaise de 1863, glorieuse révolution espagnole de 1868, guerre civile américaine entre 1860 et 1865. Et certains de ces combattants se retrouvent ensuite sous la Commune de Paris. Alors, en réalité, il y a plusieurs mouvements, mais ici, je vous propose une version simplifiée. En tout cas, on peut citer le cas de ce combattant qui s'appelle Lucien Combat, officier de ligne télégraphique sarde, qui a participé aux guerres d'Italie à la fin des années 1850. Puis on va le trouver au Tyrol, en Crète. En 1869, il combat toujours avec les Garibaldiens dans la Sierra de Ronda en Espagne. Il est présent à Paris pendant la guerre franco-prussienne, où il prend part aux événements de la capitale. Finalement, il est nommé directeur des télégraphes de la Commune le 19 mars. Alors, ces volontaires transnationaux, je vous avais proposé ici un exemple célèbre et puis un moins célèbre,
ils sont pas si nombreux en réalité par rapport aux masses de la garde nationale, d'autant que beaucoup de ces combattants sont souvent des réfugiés qui sont déjà sur place à Paris, puisque Paris est une des grandes capitales de l'exil du XIXe siècle. Mais ils occupent très vite des postes en vue du fait de leurs compétences militaires, ce qui va leur donner une très grande visibilité et donner cher, en plus des appels de la Commune à la République universelle, à cette idée d'une dimension internationale de la Commune. Alors, cette connexion aux luttes républicaines et sociales du temps est facilitée aussi par l'existence de nouvelles organisations des années 1860 qu'on a déjà évoquées, et notamment donc l'Association internationale des travailleurs, fondée à Londres en 1864 et dans lequel on va trouver notamment Karl Marx. Elle est en plein essor à la fin des années 1860. Et là encore, le lien n'est pas si direct. La défense du comité central au début est timide, même si le 23 mai, Marx affirme, je cite, que les principes de la commune sont éternels et qu'ils ne cesseront de s'affirmer jusqu'à ce que la classe ouvrière soit émancipée. Mais ce soutien est plus net et plus précoce parmi les sections nationales. Des manifestations de soutien sont organisées en avril à Londres et Genève, et le soutien vient également d'autres groupes plus ou moins liés à ces sections, comme les Républicains anglais ou la Société démocratique de Florence. Parfois, la référence est associée à des luttes en cours, comme dans le cas de la section de langue anglaise de l'AIT de New York, qui associe dans un même meeting de sympathie la Commune de Paris et des mineurs lockoutés en Pennsylvanie. La Commune devient alors, plus encore, un étendard pour de multiples causes, qu'elles soient libérales, républicaines de type 48art, fédéralistes, socialistes, ouvrières, et ce, dès le mois de mars. Aussi est-elle en réalité inscrite dans ce vaste mouvement de lutte et d'idées des années 1840-1900, qui est encore, au fond, assez peu connu. Voilà pour le premier point de ce grand 1. J'en viens maintenant à mon deuxième point, la dimension impériale. Il faut ajouter en effet à l'analyse, même si je l'ai dit, il n'y a pas de vague européenne ou extra-européenne, un mouvement de république sociale et de commune sur le territoire métropolitain, mais aussi un mouvement sur le territoire impérial. Alors tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a un mouvement révolutionnaire dans le cadre du mouvement républicain de septembre 1870 en Martinique. A lieu début septembre, la fameuse insurrection du Sud, la plus importante depuis 1848, qui compte 35 habitations incendiées et réunit un mouvement d'à peu près un millier d'insurgés. Or, ces insurgés s'inscrivent, comme le montrent très bien les archives du procès, dans l'expérience de l'abolition de l'esclavage de 1848, mais aussi font référence à l'expérience haïtienne de 1804. On a donc là une demande de république dans son sens d'égalité et d'émancipation sociale et raciale. Alors elle a lieu, je vous l'ai dit, avant la commune, mais elle rappelle que la commune prend place dans un contexte républicain particulier. Mais ont lieu aussi, je viens de vous le dire, avant Paris, des communes en province, à Lyon et à Marseille notamment, dès septembre, mais aussi à Alger. Les communes ne débutent pas en réalité avec la commune de Paris. Cette commune d'Alger, qui a été assez peu étudiée, est menée par des déportés de 1848-1850 ou 1851, qui ont été envoyés en punition en Algérie. Elle a été, donc je vous le disais, un peu étudiée ou moquée, mais c'est tout de même un mouvement qui dure plusieurs mois, qui est marqué par les idéaux républicains de la Révolution française, 1793 notamment, et puis surtout qui redémarre avec l'expérience parisienne. Le lien entre la commune d'Alger et la commune de Paris est fort, à tel point que la première va déclarer son adhésion à la seconde. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que cette commune d'Alger est un mouvement de colons qui est tourné également contre les populations algériennes. C'est un mouvement qui est dit très coloniste et favorable à une extension de la colonisation sur le territoire algérien. Alors, ces deux exemples, Martinique et Alger, permettent de réfléchir au fond sur ce que sont, en cette fin de XIXe siècle, les variations de l'universalisme républicain. Tantôt, mobilisé par les anciens esclaves, il entraîne un temps de subjectivation et d'émancipation politique. C'est ce qu'on a en Martinique. Tantôt, au contraire, associé à une expérience européenne, entre guillemets, il aboutit à des phénomènes d'exclusion. C'est ce qu'on trouve en Algérie.
Cette commune d'Alger, en tout cas, contribue à son tour au déclenchement de l'insurrection kabyle d'El-Mokrani, qui s'accentue à partir d'avril justement, et qui est l'une des plus importantes révoltes algériennes du siècle, hein, qui rassemble jusqu'à 800 000 hommes. On voit ici des files multiples se profilent, la commune a des effets non voulus, on observe là un effet de ricochet entre les territoires métropolitains et impériaux. Enfin, troisième temps, le phénomène le plus structurant est probablement la médiatisation de l'événement. La commune a été un événement abondamment médiatisé. Pourquoi ? C'est lié notamment à des transformations organisationnelles et techniques. Les années 1850 voient la mise en place des grandes agences de presse, dont certaines existent encore aujourd'hui, comme Reuters, Wolf ou Havas. À quoi s'ajoute en 1866 la pose du câble transatlantique qui traverse donc l'Atlantique et l'information passe d'un continent à l'autre en quelques heures et non en plusieurs jours, ce qui change évidemment complètement le rapport à ce qu'on appelle l'actualité. S'ajoute enfin l'image symbolique de la France à cette échelle, tant dans son lien à une certaine culture et modernité que au fait révolutionnaire, bien sûr, du fait de la Révolution française. Paris est considéré comme la capitale des révolutions. Aussi, la commune fait-elle l'objet d'une attention médiatique unique. Elle est suivie heure par heure, dans toute l'Europe, bien sûr, mais jusqu'en Inde ou en Australie et aux États-Unis. Elle y connaît d'ailleurs un écho particulier. Comme le dit l'historien américain Philip Katz, je cite, « Aucun thème économique ou politique aux États-Unis, à l'exception de la corruption gouvernementale, n'a reçu plus de gros titres dans la presse américaine des années 1870 que la commune de Paris. » Mais cette commune trouve aussi un écho particulier au Chili, au Mexique, en Argentine, au Brésil. Si on prend le cas du Mexique, elle est suivie au jour le jour, avec un décalage des informations, dans toute la presse libérale, conservatrice, républicaine ou socialiste. La commune ici fait aussi écho à des mouvements antérieurs, comme le mouvement associatif. Et si l'on prend un journal qui s'appelle El Socialista, qui est un journal socialiste tenu par des artisans qualifiés qui naît à cette période, celui-ci reconnaît dans la commune une série d'innovations, hein, il va se louer le caractère démocratique, la lutte contre l'aristocratie, contre les propriétaires, mais il va critiquer sa violence, hein, il dit, je cite, « Nos ouvriers sont plus humanitaires que les Français ». Alors cette lecture, elle correspond à une opposition qui a été identifiée par un historien qui s'appelle James Sanders, entre ce qui apparaît au Mexique, d'un côté comme la modernité européenne, fondée sur le développement de l'État et le développement économique, et de l'autre, qui serait la modernité latino-américaine, fondée sur les idées de liberté, d'égalité et d'humanité. En gros, selon ces journaux, la commune est une bonne idée, mais elle ne serait pas faite pour le sol européen, et serait donc plus adaptée au sol américain. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on observe des réappropriations décalées, selon des regards spécifiques, et ce sont donc littéralement d'autres communes qui prennent forme ici. Donc la commune de Paris, parce qu'elle a lieu à Paris, et dans ce qui est alors la deuxième puissance impériale du temps, revêt immédiatement une dimension globale. Alors, tout se précipite ensuite dans la fin de l'événement. Au moment de la semaine sanglante, tout ce que je viens de vous dire subit une espèce de torsion qui fait que cette dimension globale va prendre une autre allure. C'est mon deuxième grand temps qui sera beaucoup plus rapide. La commune se termine, vous le savez, par un bain de sang, et par les incendies. Hein, les communards mettent le feu aux principaux bâtiments de la ville, hôtel de ville, palais des Tuileries, etc. Puis suit le terrible massacre que l'on sait. Alors, cette semaine sanglante, c'est un choc énorme qui va modifier le jeu de lecture précédent. Et à ce moment-là, plus qu'avant, hein, on va avoir une véritable intertextualité de l'effroi. Les mêmes textes circulent d'un journal à l'autre en France, mais également au-delà. Et globalement, si les massacres sont évoqués, ce qui choque le plus à ce moment-là, c'est, à l'étranger en tout cas, la destruction des bâtiments. L'idée au fond, c'est qu'en détruisant ces grands bâtiments de la ville, les communards touchent à la culture et à la civilisation auxquelles est associée la France. On peut citer le Times du 25 mai, je cite, « L'histoire du monde ne présente aucune tragédie similaire. Elle a commencé dans la vanité et la faiblesse et s'est terminée dans le crime, l'horreur et le désespoir. »
et certains titres radicaux socialistes vont utiliser le même ton parce qu'ils ne veulent pas être associés à l'image de violence, alors corrélée à la commune. Les terribles pétroleuses dont on vient de parler, avec elles tout un cortège de criminels, de fous, de dégénérés et autres rouges, hantent les portraits fantasmés de l'insurrection. Et l'on observe cette même fascination à l'échelle diplomatique. Curieusement, là encore, la condamnation diplomatique est unanime de la Grande-Bretagne jusqu'au Brésil, où la Chambre, je cite, affirme son sentiment d'horreur et se félicite de la victoire de la cause de la civilisation et des principes du christianisme. La commune apparaît comme une trace de ce qu'il y a de pire et permet de se valoriser soi-même, un sentiment sur lequel vont s'appuyer les autorités françaises pour se poser en rempart contre les nouvelles menaces révolutionnaires et retrouver, après la défaite de 1970, sa place dans le jeu diplomatique. Et de ce fait, un certain nombre d'idées types vont être accolées à l'événement après ces événements, qui sont appelés à durer, comme l'idée de violence, ou encore l'idée d'un mouvement qui serait dirigé de l'intérieur par un complot de l'Association internationale des travailleurs. Une idée qui sera renforcée ensuite, selon une toute autre direction, par la théorie des avant-gardes des marxistes des années 30. Or, la commune devient en même temps, et sans doute cette audience n'y est-il pas pour rien, l'incarnation du martyr des luttes sociales et un haut lieu de mémoire révolutionnaire. Alors, quelques-unes de ces lectures sont connues. C'est celle de Karl Marx et de Michel Bakounine, sur lesquelles je ne reviens pas parce qu'elles ont été abondamment étudiées. Le premier fait paraître dès juin 1871, au nom de l'AIT, la guerre civile en France, immédiatement traduite en anglais, allemand, français, espagnol. Le second propose une interprétation anarchiste qui voit dans la révolte parisienne, je cite, la négation audacieuse, bien prononcée, de l'État. On a deux lectures qui se dessinent, une lecture marxiste et une lecture anarchiste qui sont assez différentes, mais ensemble, qui sont même très différentes, ensemble, ils vont sédimenter l'idée d'une commune qui sera un temps fort de la lutte des classes, autre idée appelée à durer, qui va se solidifier au sein des nouvelles organisations qui s'affirment dans les années 1880-1900, que sont les partis et les syndicats. Et probablement, le SPD allemand est-il un des lieux où cette idée se cristallise-t-elle le plus. Simplement, ce ne sont pas là les seules lectures et appropriations qu'on observe immédiatement après les faits. Les années 1860 sont aussi marquées par ce que les historiens appellent le radicalisme global. Tout un courant très hétérogène, fait de fédéralisme, de républicanisme, d'associationnisme, de socialisme, etc. Et ici, la référence à la commune fait l'objet d'autres reprises. Alors, ces reprises sont liées aux exilés, bien sûr, mais en réalité, leur rôle est assez faible et l'impact de la commune s'avère surtout lié aux appropriations locales. Alors, quelques-unes de ces appropriations, dès 1873, dans ce qu'on appelle la révolution cantonale espagnole, la commune, avec d'autres morceaux de passé espagnol, comme la révolution de 68, mais la commune contribue à rendre vivant l'esprit fédéraliste espagnol. Même chose pour les réappropriations italiennes, la chute de la commune en mai 1871 alimente une hausse du nombre d'adhérents de l'AIT et tout un courant de socialisme libertaire. Puis, la référence circule à plus grande échelle, suivant le flux des exilés parisiens et surtout des informations et appropriations sur place. En Argentine, au Brésil, au Chili, se créent dans les années 1870 des journaux appelés La Comuna et le lien avec l'aventure parisienne est explicite. On peut citer le cas de ce journal qui s'appelle La Comuna Mexicana, c'est une citation que j'ai reprise d'un historien qui s'appelle Bruno Postels. Aussi longtemps qu'il y aura un homme ou une femme vivante, la commune, dit ce journal, continuera a existé, on est en 1874, parce que les grands principes sont immortels. La commune, poursuit-il, est vivante en France comme au Mexique, aux États-Unis comme en Allemagne, en Chine ou en Europe. Aux États-Unis, on observe d'autres appropriations au sein de la culture radicale naissante des années 1870. Et ici, par exemple, on va observer des discours beaucoup plus féministes. Autrement dit, à chaque fois, la référence à la commune va apporter un surcroît de sens d'internationalité aux luttes en cours, tandis que ces usages l'insèrent progressivement dans leur histoire domestique. La commune, pour le dire autrement, prend racine localement dans ces divers espaces. On observe ainsi, en même temps que les événements eux-mêmes, une sorte de co-construction de l'idée communale
qui en élargit immédiatement la portée et l'enjeu. Autrement dit, on n'a pas affaire à un effet de diffusion, mais plutôt à une sorte de marcottage à plusieurs centres, et l'événement est bien global. Alors, pour conclure, je suis évidemment allé assez vite sur tous ces éléments-là, mais j'en arrive au terme de mon temps. On a en tout cas des éléments de réponse à notre question de départ. Pourquoi cette portée? Pourquoi cette importance? Ben, d'une part, il y a ce sur quoi je ne suis pas revenu aujourd'hui, mais dont on a déjà eu un bon exemple avec ce que vient de dire Chloé Leprince, puis que vous avez déjà eu tout au long de la semaine, ce gouvernement de la commune et cette dynamique concrète de l'événement qui est coupé dans l'œuf rend tous les investissements possibles. La commune, en ce sens, est une expression du possible. D'autre part, il y a cette construction qui opère en même temps que l'événement. Cela est lié tout d'abord aux conditions géopolitiques et techniques de ces années 1870, ensuite au poids de l'imaginaire social de la France, et enfin à l'existence d'un espace de circulation des idées et expériences socialistes et républicaines. Et la commune va cristalliser cela. La commune est donc un événement irréductible, singulier, mais son ampleur relève également d'une création extra-parisienne et extra-nationale. Et par ce double mouvement se crée en fait, après 1870, une nouvelle catégorie historique, la commune, et c'est la trace de la créativité dont peuvent être aussi porteurs les moments révolutionnaires. La commune n'est donc pas réductible à ses seules relectures postérieures. Je vous remercie. Merci beaucoup, Quentin Deliuermo, pour cet exposé tout à fait passionnant également. Et effectivement, c'est assez difficile de synthétiser voilà tout l'apport de vos recherches par rapport à l'ouvrage que vous venez publier, qui est quand même assez volumineux et riche, donc je vous conseille effectivement de vous procurer cet ouvrage. Alors, avant de passer aux questions et commentaires qui arrivent effectivement sur notre interface, je voulais quand même rebondir un tout petit peu sur vos deux exposés, peut-être par des événements qui concernent la Belgique, voilà, pays dont on vous parle. Voilà, pour dire aussi que cet événement a effectivement une importance chez nous et aussi une référence dans l'histoire du mouvement ouvrier. Et d'ailleurs, Jean-Louis Robert l'a évoqué lundi, mais effectivement, en 1886, on va avoir en Belgique un vaste mouvement de contestation sociale qui, en fait, va débuter. En tout cas, ce sera l'élément déclencheur. Évidemment, ce n'est pas l'origine de ce mouvement social. Donc, l'origine profonde est la misère, en fait, ouvrière de l'époque. Donc, suite à un meeting qui a lieu à Liège, donc le 18 mars 1886, en commémoration donc des 15 ans de la commune. Et ce mouvement de contestation sociale donc, va avoir des allures émeutières et incendier la totalité du bassin industriel wallon en Belgique. Alors, autre référence, et qui fait peut-être le lien entre vos deux exposés, et ça, voilà, je l'ai trouvé en travaillant sur ma thèse. Donc, en 1932, on a en Belgique un vaste mouvement de contestation sociale. On est en plein au cœur de la crise économique. Et donc, les femmes participent activement à ce mouvement, comme on peut ici le voir sur cette photographie donc, qui est conservée à l'Institut Émile Van der Velde et qui tiennent donc véritablement la barricade. Et la presse libérale, en fait, fait référence à cette fameuse image de la pétroleuse qui est évidemment la figure de cette pétroleuse, comme l'a bien expliqué Chloé Leprince, qui vise finalement à décrédibiliser, déconsidérer, dépolitiser en fait la participation des femmes. Et ici, c'est un journal libéral qui écrit donc ces femmes qui participent à la grève de 1932, le poing sur la hanche,
bientôt déchaînée, agitant en guise de drapeau une loque rouge, ameutant tout autour d'elle, défiant les gendarmes, leur montrant le poing, doivent faire penser aux pétroleuses dont elles sont les types achevées. Voilà, donc c'est la Gazette de Charleroi donc, qui fait en 1932 référence aux pétroleuses ici. Alors, on a plusieurs questions donc, que je vais vous relayer, questions, commentaires. Hein, donc, tout d'abord, des remerciements hein, pour vos exposés, mais ça, vous pourrez les consulter après éventuellement. Donc, Anne Morelli pose tout d'abord une question à Chloé Leprince, de savoir s'il y a de nouvelles sources, je peux montrer la question, hein, de nouvelles sources historiques accessibles à la recherche après les travaux d'Éric Thomas. Voilà, on a quelques questions, donc essayons peut-être de ne pas faire, de synthétiser évidemment les réponses. Je les prends une par une. On les prend une par une, les questions. Ouais. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises sur de nouvelles sources. En fait, ça crée un effet paradoxal chez la chercheuse qui travaille sur les sources parce que justement, tout l'apport d'Edith Thomas, ça a été de faire un inventaire à un moment où les inventaires n'existaient pas et d'aller vraiment fouiller en archiviste et en archiviste extrêmement méticuleuse dans, comme ça, le mot est pas joli, mais c'est pas grave, un magma comme ça de sources primaires. Donc, je veux pas dire de bêtises qu'il y en a pas de nouvelles qui a émergé. C'est plutôt une méthodologie. En fait, quand on lit les pétroleuses, je ne sais pas si Anne Morelli est familière du livre quand elle pose la question, mais en fait, on voit bien tout le potentiel qu'elle ouvre. Elle a plutôt défriché, proposé des sources, et puis après, il faut plutôt aller chercher des choses sur toutes ces femmes qu'elle nomme comme ça. Il y a plus de 300 noms dans l'index nominum à la fin du livre. Et donc après, il me semble que le travail aujourd'hui à hauteur de femmes et d'hommes, mais là plutôt de femmes sur l'événement, c'est plutôt d'aller chercher ailleurs dans d'autres types de sources que ces femmes ont pu faire, d'où elles viennent, à partir de quand elles sont à Paris, par exemple, s'il s'agit de provinciales, il y a beaucoup de provinciales qui sont investies dans la commune. Voilà, donc je réponds pas très bien, j'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que j'ai croisé une source qu'elle n'aurait pas vue? C'est possible, parce qu'en fait, les sources ont été extrêmement éparpillées. Donc, c'est possible que... Mais quand même, le propre du travail d'Edith Thomas, ça a été d'aller les chercher et de nous les pister. Donc, on travaille plutôt depuis son inventaire qu'autre chose. Quentin, est-ce que il y a quelque chose de flagrant que j'oublierais là? Non, t'as très bien répondu. L'apport principal d'Edith Thomas, effectivement, ça a été de montrer qu'il existait toutes ces sources. Et le poursuivre son travail consiste effectivement à les réinterroger avec de nouveaux angles d'approche, comme ce que tu viens de proposer, tout simplement. Après, sur la commune, il y a toujours des nouvelles sources. On trouve toujours des nouvelles sources. Hein. C'est un peu le paradoxe de ces moments courts qui a généré énormément d'archives. Donc, on est toujours surpris en cherchant un petit peu. On trouve toujours des choses. Donc, on trouvera ça, probablement des pépites dans les prochaines années. Oui, je ne sais pas. D'ailleurs, la question d'Anne Morelli, je l'ai prise comme une sur les recherches sur les femmes, mais peut-être qu'en fait, parce qu'elle citait Thomas, mais effectivement, si on n'est pas que sur les femmes, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas chez Edith Thomas. C'est ce qu'elle s'est centrée sur. Je pense qu'elle parlait des femmes, puisque la question a été posée pendant votre exposé. Alors, je continue parce qu'il y a pas mal de questions, je vous préviens. Encore pour Chloé, mais ne vous inquiétez pas, Quentin, des questions vous attendent. Micheline Zanata nous demande, voilà, vous avez parlé de la défense des droits des travailleuses. Sur quelles autres questions l'Union des femmes ou d'autres associations de femmes ont-elles eu une influence marquante sur les décisions prises par les élus de la commune? Et je voudrais peut-être lier cette question à une autre, Georgina nous demande voilà les revendications des communardes en matière d'éducation féminine. Peut-être que Chloé, vous pouvez répondre en un bloc à ces deux questions. Je vous remercie. Oui, c'est très pertinent de les associer parce que, alors, concernant l'Union des femmes,
On est sur un temps court, hein, ça naît le 11 avril et la semaine sanglante, c'est le 21 mai. Donc, on est vraiment sur un épisode extrêmement resserré. Et en fait, c'est d'abord le travail, alors que l'affichage et la réalité de ce qui va se passer après, une fois que les combats prennent toute la place, c'était la défense de Paris. Donc, on est quand même déjà sur deux objets. Moi, je connais pas particulièrement d'agenda, un tiers agenda qui serait venu se surajouter à l'Union des femmes, qui serait fondamental comme ça à mobiliser, je suis pas sûre. En revanche, c'est vrai qu'il y a d'autres associations de femmes, d'autres structures, pas forcément. Ça peut être, c'est pas forcément toujours extrêmement structuré. Il y a comme structure très connue, il y a le comité de vigilance des femmes de Montmartre, mais il y a aussi comme ça des groupes de femmes qui y réfléchissent. Il y a aussi des bataillons de femmes, un bataillon de femmes notamment, mais Ce que je trouve intéressant dans la deuxième question, et justement on peut y revenir, c'est qu'il y a des comme ça des femmes qui poussent un autre agenda qui est pas celui. Alors là, Micheline disait les droits des travailleuses, c'est même plus que ça, c'est le droit au travail, hein, c'est différent du droit du travail, c'est un droit au travail qui s'affirme dans la commune. Mais c'est vrai que l'autre grand sujet, c'est l'éducation, l'instruction des filles. L'égalité devant l'instruction. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un agenda qui est poussé comme ça, avec un délégué à l'instruction qui est Édouard Vaillant, qui m'apparaît à moi, Quentin pourra parler après, mais plutôt réceptif à ces questions-là, parce que il y a un certain nombre de décisions qui sont prises et qui répondent à des demandes, hein, d'éducation des filles, et notamment professionnelles. La création d'écoles professionnelles, c'est très important, et ça montre aussi, encore une fois, cet ethos ouvrier qui est là et le besoin aussi de subsistance. Et puis la sécularisation de l'enseignement, hein, qui est un autre enjeu très fort dans la commune. Quand je disais, la question c'était, est-ce qu'ils ont eu des influences sur les décisions prises par les élus de la commune? Ben, du point de vue du genre, on voit quelque chose de très intéressant par rapport à l'éducation, c'est que les institutrices obtiennent une égalité de salaire, instituteurs-institutrices seront payés pareil dans une décision de la commune, et ça c'est très novateur. Ça crée un lieu commun qui est faux, hein, une espèce de légende urbaine comme quoi la commune aurait décidé de l'égalité du salaire entre les hommes et les femmes, c'est archi faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça vaut pour les institutrices. Et puis toujours sur l'instruction, Édouard Vaillant par exemple, il va décider de nommer des inspectrices qui visitent les écoles. Et donc ça, c'est nouveau, par exemple. Donc c'est aussi la reconnaissance comme ça d'une forme d'homologation et d'ennoblissement quelque part aussi. Je ne sais pas si je pense que j'ai répondu aux deux questions en disant ça. Quentin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est impeccable. Je suis entièrement d'accord. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Avant de passer à la question suivante, qui sera pour Quentin, voilà, comme il y tenait, j'ai retrouvé un portrait de Garibaldi. C'est vrai qu'il est assez beau ici représenté. Alors, donc les questions suivantes, il y a peut-être, voilà, d'abord un commentaire que je projette, toujours d'Anne Morelli, qui souligne que parmi les internationaux, il y avait aussi des Italiens. Et donc, elle évoque un livre récent, Paris Guy, publié en Italie cette année. Donc, vous pourrez commenter si vous voulez. Mais peut-être pour avancer, je mets en plus une question qui est précédée d'un commentaire. Hein. Merci pour vos interventions très intéressantes. Est-ce que les communardes et communards aspiraient à un système en quelque sorte fédéraliste? Voilà, je vous laisse répondre à ce commentaire et cette question. Quand. D'accord, très bien. Oui, bien sûr. Alors, merci pour l'information sur ce livre que je ne connaissais pas, donc que je vais aller me procurer. L'essentiel des volontaires transnationaux en 1870, que ce soit dans l'armée des Vosges ou sous la commune, sont effectivement plutôt des Italiens. On peut citer aussi le cas d'Amilcare Cipriani, qui va être lieutenant de bataillon aussi. Mais en fait, les nationalités sont extrêmement variées. Hein. Récemment a été soutenu un travail qui s'appelle Xenia Marinou, qui montre aussi la présence des Grecs et l'écho de la commune en Grèce. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux en réalité à mener pour bien apprécier au mieux cette remarquable dimension transnationale de la commune. Alors ensuite, sur le système en quelque sorte fédéral. Oui, alors on l'a dit, hein, il y a plusieurs options qui sont présentes sous la commune, plusieurs opinions politiques, mais il y a aussi des propositions qui sont faites
Et l'une d'entre elles, une des plus célèbres, c'est celle qui est proposée par Pierre Denis, qui est le rédacteur d'une affiche très célèbre qu'on appelle souvent le testament de la Commune du 17 avril. Mais il a aussi écrit beaucoup d'articles dans Le Cri du Peuple. Il expose un petit peu cette vision de la Commune. Donc lui, ce qu'il explique, hein, c'est que l'ennemi absolu, c'est le centralisme, qui agit, comme dit-il, un étouffoir. Et ce qu'il faut, c'est pas changer le pouvoir, mais la nature du pouvoir. Et pour changer la nature du pouvoir, il faut qu'il y ait une commune à Paris, mais que d'autres communes se déploient hors de Paris. Et ça, c'est caractéristique de ce langage de la République démocratique et sociale, c'est-à-dire que Paris ne l'impose pas, elle s'offre en exemple. C'est la libre association des volontés qui doit permettre l'expansion des communes hors de Paris. Ces communes ont ensuite vocation à s'associer entre elles toujours librement, et l'association libre de ces différentes communes doit permettre de mener à terme à un monde plus juste et plus égalitaire. Donc, il y a une dimension fédéraliste, effectivement, très forte, notamment dans les propositions qui sont faites autour des projections de la commune. C'est tellement vrai que ce même Pierre Denis va utiliser les États-Unis, la Suisse et un certain nombre de républiques latino-américaines comme inspiration fédérale pour la commune elle-même. Hein, on oublie souvent qu'il y a une culture fédérale républicaine très forte dans ces années 1840-1880, en Europe, mais également aux États-Unis. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais passer à la question, à une autre question qui est pour Chloé Leprince, enfin pour Quentin. Hein. Le mot pétroleuse a-t-il été inventé lors de la Commune? Où existait-il auparavant? Ouais, bah c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est un néologisme qui remonte exactement au temps de l'épisode communaliste, quoi, et qui est né dans la presse. Donc c'est aussi intéressant dans la manière dont est saisie dans l'espace public cette figure. Il naît dans la presse versaillaise et c'est Dominique Lagorgette qui avait travaillé là-dessus en montrant qu'il naît précisément au moment où on commence à mobiliser l'image de la femme combattante et des barricades de femmes. Donc c'est complètement un néologisme qui n'existe pas avant et qui par contre perdure très longtemps. Alors, encore une question, voilà, pour Quentin. Outre le câble transatlantique, pardon, d'autres innovations techniques et d'autres facteurs expliquent-ils cette diffusion internationale? Vous avez évoqué l'Australie, etc. Oui, tout à fait. Alors, le câble transatlantique, c'est le plus remarquable parce qu'il va complètement modifier le regard porté sur l'événement sur l'ensemble du continent américain. Mais c'est pas le seul facteur. Ce qu'on a aussi, c'est que dans certains pays, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis ou même la France, on voit l'émergence de ce qu'on appelle une culture médiatique à partir des années 1860, avec des journaux qui touchent des publics de plus en plus nombreux parce que les journaux sont moins chers et que les publics sont de plus en plus alphabétisés. De la même manière, il y a ces fameuses agences de presse, Reuters, Wolf, Havas, et elles sont d'autant plus importantes que juste avant, en 1870, elles ont signé des contrats de partage d'informations. Et ce qui fait quand même qu'en 1871, l'information qui circule autour de la commune, d'une part, elle est télégraphique, donc elle va beaucoup plus vite, on peut la suivre vraiment d'heure par heure, et elle peut circuler par ce jeu de relais à une très grande échelle. Alors, j'ai évoqué l'Australie, parce que le réseau le plus important de l'époque, c'est Reuters, c'est un réseau britannique, et c'est vrai que c'est l'aire d'influence britannique qui est la plus concernée en fait par la circulation de l'information. Mais si vous prenez le cas du Mexique ou du Brésil, en fait, il y a plusieurs circuits d'information. Il y a ceux qui viennent par télégraphe aux États-Unis et depuis les États-Unis qui arrivent au Mexique. Il y a aussi ceux qui viennent par ce qu'on appelle les paquets, par les bateaux. Et puis enfin, il y a des reporters de guerre sur place, hein, qui sont formés dans les années 1850-1860, et puis envoient de longues descriptions des faits, là encore, à leurs journaux. Ce qui fait que dans un même journal, parfois, vous avez une information relativement fraîche et d'autres informations qui ont pratiquement 15 jours de décalage avec l'information première. Donc, vous avez raison, c'est un ensemble d'innovations techniques qui rend possible cette circulation à grande échelle de l'information. Ce qui ne veut pas dire que la circulation est fluide, ni que le regard porté sur l'événement est plus juste. Au contraire, hein, beaucoup de journalistes se plaignent du fait que le télégraphe empêche d'une certaine manière d'avoir une lecture plus fine des faits.
Bon, voilà, mais je vous remercie pour vos réponses. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc c'est très bien. On a vraiment tout à fait respecté les délais, hein, puisqu'il est 18h25. Voilà, donc vraiment encore un très très grand merci pour cette séance qui était vraiment passionnante. Qui va donc être visible, ben voilà, en rediffusion dans les. En fait, je pense que c'est même instantané, quasiment instantanément. Donc voilà, pour ceux qui sont arrivés en cours de séance ou ceux qui n'ont pas pu voir la séance, vous pouvez donc savoir que les séances sont rediffusées. Excusez-moi, je suis un peu distraite parce qu'il y a d'autres commentaires qui arrivent, qui voilà, soulignent que c'était vraiment passionnant et qui donc Merci. Vous remercient, vous félicitent. Voilà, donc on va clôturer à présent cette donc troisième et dernière séance de ce colloque, troisième et avant-dernière, puisque demain, on se retrouve à la même heure, donc à 17h. Sur toujours notre chaîne YouTube et sur nos pages Facebook du Centre d'histoire et de sociologie des gauches et de l'Institut Marcel Liebman, donc pour un exposé autour de Rosa Luxembourg et la Commune de Paris et un exposé qui servira en quelque sorte de conclusion à ce colloque, à savoir est-ce qu'un militant du XXIe siècle peut encore s'inspirer des solutions préconisées par la Commune. Mais avant cela, je vous donne également rendez-vous ce soir sur donc le site de l'UPJB qui organise donc une rencontre en ligne avec Sixtine Didewal, donc qui fait actuellement un doctorat sur le communalisme et qui est donc conceptrice de l'exposition visible en plein air sur le campus du Solbosch de l'ULB. Donc ça, c'est ce soir à 20h15. Donc il nous reste toujours tout juste le temps de faire à manger et de prendre un repas. Voilà, donc je vous remercie encore Merci à vous, merci pour vos beaucoup. interventions et d'avoir donc commémoré cet événement avec nous. Merci. Voilà, à très bientôt. Attendez, je vous laisse dire au revoir et puis Au je vais revoir, terminer merci. avec l'affiche. Au revoir, à bientôt. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Oui.